Je vous présente M. de Chivray, donc, qui a édité un livre de mon frère sur mon papa. Voilà, c'est donc la vie et l'œuvre de Roger-François Masson, peintre impressionniste de renommée mondiale, tout à fait, que j'ai découvert grâce à son fils Gérard Masson, avec qui nous avons donc réalisé cet ouvrage. Cet ouvrage a demandé énormément de travail. Beaucoup d'un travail en amont, hein, de photos, de cadrage, de retouche, de sélection, pour obtenir un résultat qui, ma foi, est à la hauteur de l'artiste peintre. Voilà, alors je demande à monsieur de me raconter un peu son histoire d'éditeur maintenant, par rapport à un livre artistique. Ce qui fait d'habitude. Moi, j'habite en Touraine. Je publie plutôt des ouvrages sur la Touraine, avec les trois quarts du temps des auteurs tourangeaux, un imprimeur tourangeau. Voilà, je joue la carte de la Touraine. Et puis, au fond, Roger-François Masson, il était un petit peu tourangeau, en tous les cas, dans son cœur, puisqu'il a peint beaucoup de paysages. Hein, et comme son fils est aussi un peu tourangeau, puisqu'il habite tout près de Loche. Donc ça reste quand même dans la Touraine. Hein, et papa aussi, il a vécu à Genève, oui, donc. Voilà, et oui. Vous avez un petit pied à Genève. Ah ouais, moi j'ai en de la Suisse, famille, oui, j'ai de la famille en Suisse. Voilà. Voilà. Donc on va essayer, oui, d'aller à Genève avec le livre. Voilà, tout à fait. On va essayer, hein. Oui, avec un beau livre comme ça, on devrait être accueillis partout. Enfin, à part quelques-uns que j'ai aperçus chez vous, ouais, comme ça. Mais... Et puis, non, vous ne les avez pas tous vus. Hein. Et puis là, ils sont mis en valeur. Ah, ben là, c'est autre chose. Là. Ça change tout avec l'éclairage. Voilà, pour ça, c'est une couverture. Voilà, c'est la couverture. Ah, elle est là. Waouh, dis donc, ouais, c'est juste. Je n'avais même pas fait attention tout à l'heure. On pourrait regarder les différences de couleurs. Regardez pas trop. Pour se faire mal. On va si votre père n'a pas été trop trahi. Ensemble, c'est pas mal. Il n'a pas été trop trahi. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Hein. Et, moi, je crois pas. Vous avez été très fidèle. Ah ouais, c'est un petit peu plus de rouge. Hein, qui, un petit peu de rouge qui ressort. C'est comme super, ça avec les photos. C'est impressionnant quand même, c'est le cas de le dire. De papa. Vous parlez de là, papa. Je suis particulièrement ému de me trouver cet après-midi devant l'étoile de votre papa, parce que c'est un des grands artistes de ce 20e siècle passé. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance de le voir vivre dans le Lochois, peindre dans le Lochois. Et quand je regarde par exemple ce petit village de Chanceau qui nous est si familier à tous, et plus particulièrement à ma femme qui vivait juste ici, devant la charmante petite église de Chanceau, c'est quelque chose que je trouve très touchant. Et puis bon, si Roger François n'a pas été que le peintre de la Touraine, il y a quand même grandement contribué, puisque une grande partie de ses peintures ont été peintes ici. Et ce que j'aime chez lui, c'est cette diversité de paysages. C'est cette peinture heureuse, parce que ce que j'aime justement chez lui, c'est qu'il a toujours peint quelque chose de vivant, quelque chose de joyeux, quelque chose qui vous interpelle, parce que ce ne sont pas des paysages figés, ce ne sont pas des scènes de rue qui sont figées. Il y a toujours des personnages qui déambulent, qui se baladent. Tout ça, ça respire la joie de vivre, le bonheur. Et puis, on sent l'artiste confirmé. Et ce que je regretterai toujours, c'est que le public tourangeau ne l'ait pas découvert davantage. Parce qu'il a une œuvre considérable,
Mais votre père a toujours été quelqu'un d'un peu solitaire, de plutôt modeste. Ce qui l'intéressait, c'est de travailler, c'était pas de se montrer, de se faire valoir. Et ça, c'est très très dommage, parce que quelque part, on est un peu frustré, on aurait aimé en savoir bien davantage. Et je suis ravi que Gérard, votre frère, ait fait aujourd'hui ce livre d'hommage, avec votre aide, puisque je sais qu'un certain nombre de documents ont été fournis par vous. Et je trouve que c'est un très très bel hommage, parce qu'au 100e anniversaire de sa naissance, eh bien, il était temps, en effet, de rendre hommage à l'immense artiste qu'il a été. Et là, c'est un vrai bonheur de le voir accroché ici. Et vous, par rapport à mon papa, vous avez participé à certaines choses dont j'ai eu l'honneur d'être là, tristement pour un fait et assez gai pour un autre. Oui. J'aimerais que vous Moi, j'ai eu la chance, en effet, de vivre quelques moments heureux avec votre papa, puisque j'ai eu l'occasion de l'accompagner à travers quelques expositions. L'une d'entre elles qui m'a donné le plus touché, c'est sans doute la dernière au Moulin des Cordeliers, où il y avait un très bel hommage qui avait été rendu à travers le salon de l'atelier d'Agnès. Et c'est vrai que ça avait été un grand moment, parce qu'on a pu revoir à cette occasion quelques-unes de ses meilleures toiles. Ce fut l'occasion également pour lui d'en offrir deux à la ville de Loches, et elles sont aujourd'hui accrochées sur les murs de l'hôtel de ville. Et puis ça a été un joli moment, parce que je crois que c'est la dernière fois qu'il était présent à une exposition. Et donc avoir les œuvres et l'artiste, ça a été un moment assez exceptionnel. Donc ça a été un grand, grand moment. Et puis c'est vrai qu'en d'autres occasions, comme maire adjoint à la culture, j'ai eu l'occasion de l'accueillir pour d'autres expositions. Et chaque fois, ça a été de jolis moments de bonheur, parce que c'est un peintre qui rayonnait à travers son œuvre, à travers sa personne. Une personnalité très forte, très controversée, parce que je trouve qu'il y a un immense décalage entre sa peinture et le personnage. Mais c'est ce qui faisait toute la richesse de cette rencontre, et c'est vrai que ça a été de jolis moments de bonheur que d'avoir ce grand artiste ici, dans nos rues, sur nos cimaises. Vraiment, ça n'a été que de grands et beaux moments. Merci beaucoup. C'est un plaisir de voir. C'est vrai qu'il y a une peinture qui est joyeuse, qui est vraiment vivante. Super. Ouais. Et là, la vue du Normand, je la connaissais absolument pas. Et il y a 8 jours, on était là à Deauville. Les parasols n'ont pas changé. Celui-là, je pense pas. Je crois pas. Celui-là, oui. Mais c'est bien parce qu'elle traverse ça. Alors, on parle là. Très vivant. On parle avec nos visiteurs. Ouais. De tous les tableaux de papa qui ont été exposés, pas exposés. Enfin, ouais. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas du tout. Ah, ouais. Mais ça, c'est plein de vie. C'est... Ouais, on sent quelqu'un d'épanoui dans son domaine.